Bon matin les Guiria et vous qui passez par là, merci de m'accueillir. Donc pour le tirage du petit déjeuner de ce 17 avril 2020. Donc, bah oui, donc voilà. Toujours dans notre confinage, n'est-ce pas? On va voir, essayer un petit peu de voir les énergies qui sont confinées aussi et qui vont se déconfiner un jour. Donc du coup, je vais peut-être... Ah putain, comme ça. Ah, on ne voit plus ma tranche de cake. On va faire comme ça. On y va, les amis. Alors, je ne sais pas du tout. Ah oui, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit supplément. Du coup, non, je ne vais pas faire la planche. Oui, yeah, non, non. Nous allons faire peut-être avec un pendule. Celui-ci a plus de réponses que celui-ci. Donc, voilà. On va faire après. Vous poserez une question et on essaiera de voir si le pendule vous répond. Ok, celui-là, je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui. Qu'est-ce que je prends? J'ai pris mon petite poupée à soucis. Vous ne les voyez plus à mes poupées à soucis, mais elles sont toujours là pour prendre les soucis. J'en ai donné tellement que je vais en recommander. Du coup, voilà, petite poupée à soucis. Oui, je vous rappelle aussi que quand vous désirez savoir quel jeu j'utilise, etc., il est marqué en barre d'infos. Il suffit juste d'aller cliquer sur le lien qui va faire le déroulé. Et du coup, vous verrez ce qu'il y a dans la vidéo, s'il y a des liens pour aller vers le jeu ou vers... Voilà, ou la chaîne, une chaîne, etc., etc. Je vais en profiter du coup parce que j'ai une personne que j'ai envie de faire un petit peu sa pub, si je puis dire, parce que je ne fais pas de pub comme ça parce qu'on me le demande. C'est tout simplement par rapport à quelque chose de privé, de personnel. J'avais envie de vous parler de cette personne qui s'appelle Jenny et qui, en fait, qui a une chaîne Facebook. C'est Jenny Tup, Tup comme Tupperware. Donc, elle fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle fait aussi des lives, etc. Donc, moi, je vous inviterai à, si vous avez le temps, si vous avez envie, évidemment, c'est aucune obligation. Je ne gagne pas un Tupperware, n'est-ce pas? C'est vraiment, voilà, j'avais envie de le faire. Voilà, pour aussi l'encourager. Donc, si vous saviez faire passer un petit coucou. Sur sa page, peut-être vous abonner, peut-être voilà pour les femmes de ménage, pour les ménagères qui ont besoin aussi de bons matériels, de bons ustensiles. De toute façon, des Tupperware, honnêtement, on les garde toute une vie, quoi. De toute façon, c'est remplacé à vie. Donc, franchement, moi j'en ai plein et d'ailleurs, oui, j'en ai vraiment beaucoup et de très 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 vieux, ouais. Voilà, donc j'avais envie de faire une toute petite parenthèse. Je vais essayer de ne pas oublier le mettre. Bah, de toute façon, c'est Jenny, Jenny, Tup, Tup, Tupperware. Donc je vais essayer de ne pas oublier de l'écrire sous ma vidéo. Je vais le marquer parce que voilà, j'y pensais maintenant et dans le mettre, voilà, en barre d'infos. J'espère que je ne vais pas oublier. Sinon, c'est pas compliqué. Vous allez sur Facebook et vous mettez Jenny Top, 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 Top. Bon, alors on va faire les 13 cartes, oui, avec quoi? Alors j'ai mon oracle de sceaux, j'ai mon jeu de cartomancie, j'ai le Ur, le Normand, j'ai d'autres jeux parce que j'aurais envie de faire une autre vidéo. Je ne sais pas quand j'aurai le temps. Je suis descendue un petit peu pour un peu changer, n'est-ce pas? J'ai celui-ci, bon, le Normand, favori. Favori, non. Mais celui que j'utilise beaucoup, que j'utilise tout le temps. Qu'est-ce que je fais? Les 13 cartes. Bon, allez, on va essayer avec celui-ci, d'accord? Moi, je l'ai déjà fait avec celui-ci, de toute façon. Je fais avec tous les jeux. Ouais, non, vous voulez celui-là, hein, oui. Mais non, on va faire avec celui-là, parce que je viens de le dire. Et puis, non, non, on verra. Je vais pas... Non. Je voulais dire, je vais recouvrir les cartes, à recouvrir éventuellement dans les 13 cartes avec l'oracle de sceaux, mais non, je ne vais pas mélanger les deux jeux, je ne le sens pas comme ça. Allez, on reste
sur son idée. Et on y va, les amis, pour les énergies de ce donc vendredi. Hein, on est vendredi. Et oui, vendredi. Ça passe tellement vite. Et tellement, par certaines personnes, c'est tellement long. Personnes qui sont évidemment en attente de voir la famille, en attente de plein de choses d'ailleurs, mais voilà, c'est un pénible moment hein, que l'on vit. Allez, on y va, je coupe les énergies donc, on va dire de la journée. Et comme vous savez, hein, on est confiné, donc voilà, ça va être des énergies qui vont nous entourer, vous entourer, selon voilà, vos vies et vos problématiques personnelles. Alors, ici, nous avons un homme de loi, une administration, le roi de pique. On a ici un homme de loi, l'administration... quelqu'un qui est en rapport, en tout cas, avec l'administration, ça peut être la police, ça peut être un militaire, un juge de paix, un notaire, un docteur, voilà, pour moi, toutes les personnes qui représentent un métier pas à responsabilité, mais un métier ou à décision, où on peut décider, et voilà, on peut décider. Et ici, avec le 10 de carreau, on nous dit ici que c'est la bonne période. Ici, on va trouver un équilibre. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors, peut-être, on a le docteur aussi ici, donc par rapport à la santé. Mais ça, je n'aime pas d'en parler de la santé. Donc, peut-être aussi par rapport à la santé, de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est la bonne période. C'est aussi la bonne période pour avoir des avancements, n'est-ce pas? Je pense à quelqu'un, là, du coup. Et en même temps, je vais faire un petit coucou à Sonia. Voilà. Se reconnaîtra, mais c'est voilà. Voilà, donc des avancements, c'est la bonne période et c'est une période où on va retrouver l'équilibre. L'équilibre aussi avec la justice, donc on va se rééquilibrer, alors judiciairement peut-être, financièrement peut-être, parce que ici on pourrait parler aussi d'un banquier, hein, quelqu'un qui prend des décisions. Un agent d'administration qui prend des décisions, voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est la bonne période, peut-être pour demander quelque chose, peut-être pour demander un avancement, en tout cas à quelqu'un qui tranche, d'accord, c'est quelqu'un qui va trancher et c'est le bon moment. Donc soit vous allez demander quelque chose, c'est le bon moment, vous allez recevoir quelque chose, voilà. En tout cas, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, les amis. On va prendre 13 cartes, donc. Nous avons la fin des problèmes, un léger retard et la fin des problèmes. Et ici, il y a des conflits, éventuellement un conflit sentimental. Attention aux entêtements. Faites attention, ne restez pas têtu non plus. Il faut parfois un petit peu voir les choses d'une autre manière, d'accord? Donc, il faut vraiment... peut-être qu'on est en conflit sentimental à cause que... on est braqué là sur une idée, et puis on ne change pas d'idée, et puis attention, parce que voilà, des conflits qui n'ont peut-être pas vraiment lieu d'être. Et ici, on a, c'est en même temps, c'est la fin des problèmes, mais peut-être un petit peu, c'est la fin des problèmes, et en même temps, c'est un léger retard. Donc, il y a un léger retard, peut-être dû aux entêtements, à vos entêtements, peut-être aussi, d'accord ? Allez, on va se prendre 13 cartes. Toutoum. Oui, je vous savais, moi je chipote un peu avec mes cartes. Et on fait comme ça. Comme ça, vous ne voyez rien du tout. C'est cool. On va regarder. C'est pas grave. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. On y va, les amis. On y va. Allez, on pose nos cartes. Ah, je voulais faire un rond, mais ça n'ira pas, du coup. Allez, on y va comme ça. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On est bon? On est bon. On dira qu'on est bon. On y va. Alors, je prends toujours la première carte puisque c'est un tirage général. Et ici, nous avons le roi de trèfle. Donc, le roi de trèfle, ça va nous parler d'un professeur, d'un commerçant, d'un monsieur qui est sincère, d'accord. Il est possible aussi, justement, que par rapport à ça, vous allez, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui pourrait vous apprendre quelque chose. Vous allez peut-être être dans le flou, ou cette personne va être un peu dans le flou. Il y a quelque chose qui est dans le flou pour le moment, pour vous ou pour cette personne. Du coup, peut-être que il faut attendre un petit peu, peut-être le déconfinement, tout simplement, mais c'est possible, hein, c'est possible que ce soit ça. Après, nous avons, waouh, une naissance, l'amour, d'accord, on a l'amour, évidemment, avec le 10 de cœur. On a aussi, on a beaucoup de projets, on a aussi une surprise agréable et on a une naissance éventuellement. Voilà, éventuellement une naissance. En tout cas, c'est de projets, on va construire, on va se construire. Et du coup, ici, il pourrait s'agir, donc, on ne sait pas encore cette décision, qui peut-être devait être prise avec la couple, hein, une décision qui doit être prise par quelqu'un de pouvoir. Et ici, de toute façon, ici, c'est une surprise agréable, une naissance. Et donc, on peut aussi vous dire que c'est le moment de projeter, de faire des projets. Ici, on réussit, on va avoir des désaccords, on va vers la réussite. On signe des contrats, on a des rendez-vous, on a des propositions, je pense à quelqu'un aussi. On a des explications, des rendez-vous, des propositions qui sont positives, d'accord. Je crois que je caressais mon chien et je caresse, non, ah, je caresse un petit sachet qui est à côté de mes pieds. Donc voilà, tout est positif ici, d'accord. Des retards, s'il y a des retards... Écoutez, s'il y a des retards, que vous êtes un peu dans le flou, il y a vraiment des réussites. Si vous pensez aussi que vous êtes justement, que vous avez foiré quelque chose, ben non, vous avez encore des chances, vraiment. Après, nous avons des soucis de santé, nous avons des soucis de santé ici. On a des soucis de santé, mais ça peut être aussi un échec. Bon, attendez, je vais quand même voir la suivante. Parce que cette carte aussi, moi, ça me... par rapport au petit Lenormand, je mets toujours mon petit Lenormand aussi dans le jeu, c'est la carte du jardin. Donc, on pourrait peut-être dire qu'on a des soucis avec des collègues, avec... Le jardin, ça va représenter les proches, mais pas la famille. Donc, les collègues, les personnes que l'on connaît, les amis, les clients, etc., etc. Et y a ici, ça me parle quand même... Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être, gros souci de santé, ben oui, hein, c'est aussi le moment. Pas spécialement pour vous. Moi, j'ai envie de dire ici... Vu que c'est vraiment général, gros souci de santé, mais aussi dans les entreprises, dans une entreprise peut-être, dans quelque chose que vous vouliez faire, que vous avez envie de faire, donc dans un travail, ou voilà, peut-être. Ici, nous avons des malentendus,
On se méfie ici. On se méfie et on peut aussi parler de vol. De vol. Malentendu, méfiance, vol. Alors, vol, on pourrait aussi vous avoir volé quelque chose de concret, mais on peut aussi vous voler du temps, de l'argent, de l'amitié, de l'amour. Voilà. De la confiance. Ici, on a des calomnies. On a des calomnies. Et puis, on a ici, on nous dit qu'il faudrait peut-être se déplacer. Ce serait bénéfique de se déplacer, de se déplacer. Il serait bénéfique de se déplacer. Les calomnies. Bon, ça nous touche. Évidemment, ça, c'est un tirage, comme tous les tirages, c'est un tirage général. Donc, toutes les cartes ne vont pas parler à tout le monde, mais il est évident que je dois dire le plus possible de chaque carte pour que chacun puisse y s'y retrouver. Hein. Peut-être qu'aussi qu'il va y avoir des calomnies suite justement à ce vol ou à un malentendu qui va mal tourner. On a le cavalier de pique qui va ici, c'est quelqu'un d'irresponsable, c'est quelqu'un de vaniteux, ça nous parle d'une personne vaniteuse, d'une personne qui s'en fiche un peu de ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est irresponsable, hein. C'est quelqu'un qui vraiment ne peut pas du tout, on ne peut pas avoir confiance en lui, c'est quelqu'un qui va pas vraiment, pas du tout. Il va s'y croire, c'est quelqu'un qui s'y croit, mais c'est quelqu'un qui s'y croit, mais n'y est pas, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de désagréable, vaniteux, on ne peut pas compter du tout sur lui. Donc, si vous pensez peut-être à quelqu'un et que vous pensez peut-être que cette personne a changé, ça peut être aussi, voilà, c'est peut-être cette personne-là qui va vous créer des soucis, des vols de confiance peut-être, etc. Donc voilà, il faut faire attention juste à ça. Ici, on a, voilà, on a ici la carte de l'isolement et de la fatigue. Grande fatigue. Isolement. On est... Moi, ici, la fatigue, oui, mais je pense plutôt que ça va être... On est fatigué... ben oui, on est fatigué d'être isolé quelque part. Oui, c'est vraiment ce qu'il faut dire. Donc, c'est logique que cette carte soit sortie finalement, puisque la carte, la grande fatigue... Et l'isolement, ouais. Isolement, fatigue. Peut-être qu'on se cache aussi on se cache d'une personne où il y a cette personne qui se cache de vous. Une personne qui se cache de vous. Et si normalement c'est un homme, comme ça, tirage général, ça peut être aussi une dame, une personne irresponsable. Ici, ça peut être aussi une dame. Comme ici, les rois et les reines. D'ailleurs, dans le tarot, roi ou reine, c'est vous, homme ou femme. Après, ils avaient encore oublié d'allumer mon micro. Je vais quand même regarder s'il fonctionne, hein, parce que sinon, je vais commencer. Oui. Alors, où est-ce que j'en étais là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, hein, il me semble bien. Hein. Ici, nous avons alors ici des projets. On parle de répit, de réflexion. On a de congés aussi. Ouais. Donc ici, quelque part, les projets, on vous demande d'encore un petit peu penser et de réfléchir justement ou de profiter de ce moment de répit, entre guillemets, avec l'isolement, pour justement mettre vos projets à jour. D'accord, ça, voilà, ça peut parler de ça aussi. Mettre, oui, profiter donc de ce malheureux confinement mondial pour pouvoir mettre vos projets à jour. Commencer vos projets, ça c'est par quelque chose que vous pouvez faire par Internet.
Voilà. Pour moi, il y aura des choses bénéfiques aussi pour certaines personnes. Le roi de pique, nous avons ici quelqu'un de, une personne seule, un veuf, un célibataire, un divorcé. L'homme important, le médecin. Mais ici, ça va nous parler plutôt d'une personne veuve, divorcée et une personne importante. Oui, vous allez me dire pourquoi tu dis ça maintenant que tout moi je fais à l'endroit à l'envers. Donc ces cartes-là se font à l'endroit à l'envers. Donc j'aime bien te faire à l'endroit à l'envers avec ceci. Voilà. Je ne sais pas, voilà, ça doit vous parler, une personne importante, mais c'est une personne qui est soit un médecin, soit quelqu'un qui est seul, en tout cas veuf ou divorcé. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être une personne que vous devez voir, une personne. Ça peut rester aussi toujours un homme de loi, mais ici c'est quelqu'un qui est veuf en plus de ça. Mais pas spécialement non plus un homme de loi. Ce sera plutôt alors vers la médecine. Alors quand on parle de médecine, ça peut être aussi médecine en vraiment en grand médecine et médecine parallèle. Ici, voilà, on a la joie, on a le bonheur, on a une. Ici, c'est la grande satisfaction dans tous les domaines. Voilà. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est une belle entente, c'est voilà, c'est l'amour aussi, hein, c'est la carte aussi de l'amour. Donc peut-être avec justement cette personne-là, vous allez peut-être, il y a peut-être un amour qui va arriver pour vous. Ici, on a encore une fois le léger retard et c'est la fin des problèmes. Voilà. Peut-être que l'homme important va peut-être nous aider. Il y a quand même beaucoup des hommes assez importants ici, dans la coupe aussi. Donc, il y a quand même des choses importantes qui vont être tranchées, qui vont être décidées. Et qu'il y a des retards, mais un petit peu, c'est normal. Et, mais en tout cas, c'est la fin des problèmes. Mais on a encore les dents, on a plein de nous, on a presque tous les rois, dis donc. Alors ici, c'est quelqu'un qui est un peu trop protecteur. Ça peut être votre papa, par exemple. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité, c'est quelqu'un qui a une certaine puissance. Ça peut parler aussi d'une personne étrangère. Ça nous parlera aussi de déplacement. Donc, une personne qui se déplace ou une personne pour qui, une personne importante et pour qui on doit se déplacer. C'est quelqu'un qui a de l'autorité, mais il y a peut-être aussi, vous allez peut-être vous rendre compte ou vous êtes en train de vous rendre compte que il est vraiment trop protecteur, c'est exagéré. Je suis plus un enfant et il me protège comme si j'étais un enfant. Voilà, il y a peut-être un papa, un frère, pourquoi pas, un mari aussi, un fils aussi. Hein, évidemment, il y a des enfants qui sont, voilà, qui font. Mais ça, voilà, c'est un peu de comment on les a élevés au final. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bon, on peut dire que il y a un commerçant, un professeur, on est un petit peu dans le flou. On est un petit peu dans le flou. Mais il y a de l'amour qui est en train d'arriver. Il y a de l'amour qui est en train d'arriver. Il y a du bonheur, il y a de l'entente, une grande satisfaction dans tous les domaines. Mais bon, il y a besoin de s'isoler. Il y a quelqu'un qui est fatigué, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Peut-être vous êtes isolé d'une personne. Nous avons ici des malentendus. Oui, il y a un petit peu de malentendus, un petit peu de. On se méfie. On a ici une surprise, une naissance, une surprise agréable. Alors la naissance, normalement, c'est la naissance. C'est un projet. Je parle du projet puisque c'est aussi la carte des projets. La naissance, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui va commencer, d'accord? Quelque chose que l'on va commencer à deux, un amour, évidemment, un amour. On va construire quelque chose, voilà, quelque chose qu'on va faire à deux. Ça nous parle aussi de la fin des problèmes, peut-être et ou d'un léger retard. Donc, bon, il y a quand même du retard ici, hein, voilà. Voilà, on a ici congé. On peut donner aussi congé à quelqu'un. On peut donner congé à quelqu'un. Ça nous parle encore une fois des projets. Donc on a quand même des projets. On a des projets.
On a beaucoup de, on a beaucoup de choses à faire en parlant. Je me parle ici, on nous dit qu'un voyage serait bénéfique. Je crois que j'avais un voyage aussi. Cette carte-là peut être aussi la carte des voyages. Hein. Petit déplacement, petit voyage. Et ici, on a encore une fois, où est-ce que j'avais été, moi? Ici, petit voyage. Ou un voyage. Alors ici, on a tout est positif ici. Donc on a les négociations, on a les. Attendez, parce que j'ai du coup. Oh. Ok. Donc ici on a oui, on a le contrat, il y a peut-être eu du retard, il y a peut-être eu du coup eu un malentendu, hein, un malentendu qui crée du retard ou qui, voilà, on a pris votre conscience, on a pris quelque chose et ça n'est peut-être qu'un malentendu. Donc finalement oui, vous allez signer ce contrat. Finalement oui, vous allez avoir l'accord de la banque, voilà. Finalement, oui, les négociations pourront se refaire et seront positives, parce qu'on a quand même beaucoup de positifs ici. Mais on a beaucoup de retard et on a beaucoup de. Peut-être on a aussi des malentendus. Des personnes, voilà, ici, on a peut-être avancé en retard parce on a des problèmes de santé. Ou on a quelqu'un de nos proches qui est voilà, qui a des problèmes de santé. Faites ici cette carte. Moi, j'ai envie de vous dire, faites quand même attention à votre entourage. D'accord? Il faut faire attention à son entourage. Parce que il y a quelqu'un qui pourrait ici vous souhaiter un échec. Quelqu'un. Ici, ce sera le cavalier de pique, quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est irresponsable, quelqu'un qui n'est pas, à mon avis, très agréable. Alors, soit cette personne, je vous avais dit, elle se cache, je ne sais pas pourquoi, il est possible elle veut se cacher. Parce que j'avais l'isolement après, mais. Ou c'est une personne qui vous fatigue, tout simplement. C'est une personne qui est tellement irresponsable, qui se vante tout le temps, qui voilà, moi je, moi je, moi je, et moi je, il fait jamais rien, de toute façon, il fait que parler. Donc, et ça vous fatigue vraiment, et vous avez vraiment envie de le renfermer dans la cave. Donc, ça, voilà. Et sinon, voilà, on a aussi de la protection, beaucoup de protection. On a des gens, des personnes qui vont. Trancher, prendre des décisions, des personnes importantes. Il y a quand même beaucoup de personnes importantes ici. Il y en a les trois rois qui peuvent aussi être vous, hein, vous le consultant ou vous la consultante, puisque c'est un tirage général. Donc voilà, il est possible que ce soit vous qui fassiez figure d'autorité, qui êtes peut-être veuf, divorcé ou une personne seule. Et aussi commerçant, par exemple. Commerçant, en tout cas, c'est quelqu'un de sincère. Donc, je pense que c'est une belle personnalité avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités, mais tellement ces qualités sont grandes, elles peuvent être aussi devenir des. Comment est-ce qu'on dit? Contraire de qualité, des inconvénients. Contraire de qualité, des inconvénients. Tu as beaucoup de qualités. Enfin, soit, voilà, vous avez compris. Donc, les qualités sont tellement, pour certaines, voilà, ici, l'homme est trop protecteur. Il est tellement protecteur que c'est trop, quoi. Donc, ça devient un défaut. Un défaut. Vous voyez, donc, voilà. Il y a des qualités qui deviennent défauts, peut-être justement parce que ça fait un bon bout de temps là maintenant qu'on est ensemble et ça nous tape sur le système nerveux. Et du coup, on a envie de se retrouver la vie d'avant, la fin donc du confinement, pour pouvoir qu'il nous lâche un peu les baskets. Voilà. Je ne vais pas recouvrir parce que ça me parle bien comme ça et que les cartes dites négatives. Pour moi, ne le sont pas vraiment. Non.
Non, parce que on a aussi besoin de négativité parfois. Donc je vais pas chaque fois, je vais pas non plus arriver. On peut recouvrir une fois et avoir encore du négatif. Donc j'ai pas envie de faire plus négatif. Et dans ce sens, si je fais plus négatif, les énergies que je vais envoyer seront plus négatives. Si vous recevez du négatif, vous recevrez du négatif. Et donc ça, j'ai pas envie non plus de jouer avec ça. D'accord? Donc on va en rester là pour les énergies de cette journée. Alors, on va faire pour l'amour. Pour l'amour. Pour l'amour. Pour l'amour. Bon, allez, on prend celui-ci. Et on va faire une. Et je vais me servir donc de la signification de la carte qui est en rapport avec. La signification de la carte, le rapport de la carte avec. Ah ben voilà, on va prendre ces trois-là. On a l'automne, on a la dame et on a l'araignée. Alors. On travaille beaucoup. Ici, c'est une dame. Ce n'est pas vous. C'est une autre dame. D'accord? Ce n'est pas vous. C'est une amie. C'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un d'intime. C'est quelqu'un qui peut faire partie aussi du cercle familial. D'accord? L'automne. Ben, attendez. Ici, j'ai parlé par rapport à l'amour. Mais on peut déjà dire ici. On pourrait dire parler d'une relation qui s'éteint. Une relation qui s'éteint. Quelque chose qui est d'éphémère. Voilà. On est tout seul à toujours allumer la petite flamme. Et ici, la petite flamme s'éteint. D'accord? Les relations sont des relations éphémères. C'est des relations où peut-être qui ne durent pas plus que 1 à 3 mois. Voilà, c'est. Voilà. Maintenant, je pense que ici, il y a une amie. Ça me parle. L'amour ici, ça va nous parler d'une amie. D'une amie. Quelqu'un que l'on connaît très bien. Et là, ici, on fait tout pour réussir et on fait tout pour garder son couple. Et quelque part. On est un peu excessif parce que justement on veut, et c'est peut-être pour ça que la relation va s'éteindre, parce que justement on ne veut, on est justement tellement, on a tellement envie que son couple marche, fonctionne, qu'on étouffe l'autre personne, un peu comme l'araignée le fait, elle étouffe l'autre personne et ne laisse vraiment rien faire, et ce couple, le couple que vous formez, ben, s'étouffe tout à fait, il s'étouffe là et il s'étouffe là, parce que là la petite femme elle s'éteint, d'accord? En automne la petite femme s'éteint, donc voilà, c'est aussi la fin d'une relation éventuellement, voilà, avec la carte de l'automne, mais ça nous parle aussi de 1 à 3 mois. Maintenant, vous le savez, donc puisque vous le savez, à vous de ne pas étouffer l'autre. Peut-être que oui, on est vraiment dans les énergies de comme ça, puisqu'on est confiné, donc on se prend la tête un petit peu tout le temps, mais à vous de ne plus le faire si vous voyez que ça commence à dégénérer. Voilà, d'accord? Voilà, moi ici. Et alors, pour les célibataires, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous travaillez beaucoup pour avoir un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Vous avez envie de rencontrer une personne et vous travaillez tellement fort que justement vous travaillez trop. Ou vous pensez tellement, vous pensez, vous pensez, vous ne lâchez pas vos pensées. Et donc si elle reste chez vous, vos pensées, oui, je veux rencontrer quelqu'un, oh, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, oh, je vais aller à cette soirée-là, je vais rencontrer quelqu'un. Pas de chance pour le moment parce qu'on est confiné, mais où je vais, ouais, je vais rencontrer quelqu'un, j'espère, oh, je vais aller chercher de la viande chez le boucher, j'espère que je vais peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, vous rencontrerez jamais personne. Mon mari qui fait du bruit. Voilà, il y a vraiment ces énergies-là de. On est trop renfermé sur. On n'est pas renfermé sur soi, on veut absolument tellement quelque chose qu'on ne l'obtient pas. Il faut lâcher ses idées pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Voilà, donc si vous êtes célibataire, il y a ces énergies-là. Donc. À réfléchir. Bah, si tout le monde, si, sinon, si tout va bien, tout va bien. Hein. N'oubliez pas, si tout va bien, tout va bien, et on ne va pas se chercher non plus, c'est que ça ne vous parle pas, bien évidemment. Hein. C'est normal. Les cartes ne parleront pas à tout le monde tout le temps. Alors, on va faire ici avec le pendule. Donc ici, on va faire d'abord le oui-non en vitesse avec le hurle normand.
Donc, posez votre question fermée. Est-ce que ceci, vais-je, va-t-il? Si la carte qui saute, si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. On va voir. Et c'est la cigogne. Donc, c'est ni oui ni non. C'est ni oui ni non. Je vais poser une question, on va voir. Donc là, il n'y a pas. Alors, on y va. 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moi, je m'arrête là. Voilà. Moi, je m'arrête là. Peut-être que j'aurais dû continuer, on va voir. La cigogne, le soleil, la lettre, les souris. Et la croix, j'ai bien fait de m'arrêter. J'ai pas triché, hein, je vous promets. Voilà, donc c'est la croix, c'est non, hein, les amis. Ben, c'est peut-être ça que c'est peut-être mieux pour vous que ce soit non. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a oui, non, oui, non. Repose une question. Peut-être. Ce n'est pas assez clair. Refais ta phrase. D'accord. Alors, vous posez une question. Et on va voir sur quoi ça va s'arrêter. J'aurais peut-être dû prendre le non, ou le oui, ou le pas clair. Parce que c'est vrai que... non, parce que vous n'allez... Ouais, on va faire ça. Si je tombe sur pas clair, ben ouais. Donc, on a oui, oui, non, non, pas clair. Donc, on va juste s'arrêter à ça, parce que là, c'est plus... Si on a quelqu'un en face, si j'ai quelqu'un en face de moi, hein, c'est pas. Sinon, qu'est-ce que je fais moi que vous devez redemander ou pas? Allez, on y va. Posez votre question. Je vais le faire trois fois, d'accord? Donc vous posez une question, une deuxième question, une troisième question, ou alors vous posez trois fois la question différemment et on va voir ce que ça répond. Ce n'est pas oui. Non, ce n'est pas oui parce que moi il tourne. C'est non. C'est non. C'est non. Moi, c'est non quand il tourne dans le sens des dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais, non, c'est non. Voilà, c'est non. On repose une. Moi, je ne pense à rien, donc je ne pense même pas pour moi, donc. Je ne pense à rien, je me vide l'esprit. Allez, posez votre question. Voilà, là c'est oui. Ouh, il se remballe. Ouh, c'est oui. C'est un grand oui. Merci. Et puis, on va faire une troisième. Donc, je ne sais même plus la première, c'était quoi la réponse? C'était non? Je ne sais plus. En fait, si vous voulez, je sais que j'ai... Vous allez dire comment tu fais, mais en fait, je laisse aller. Donc, si je vois qu'il n'oscille pas ni là, ni là, ni là, ni là, il oscille. Je sens vers où il veut aller, en fait, d'accord? Moi, je le mets au milieu, je sens vers où il veut aller. Donc, voilà.
Allez, on y va, reposez votre question. Oh là, je trouve. Non. Ah, si. Oui, si, c'est pas clair assez pour. Oh, il change. Là, il y a. Oui, c'est pas clair. Là, c'est pas clair pour certaines personnes. Oui, c'est pas clair du tout. Allez, on va recommencer puisque c'est pas clair. Reposez votre question autrement. Non, c'est pas oui parce qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on va voir si c'est non. Une scie pas vraiment rond. Voilà. C'est marrant parce que parfois il oscille aussi de gauche à droite. Donc là il tourne. Donc c'est vraiment oui ou non, hein. Ok, c'est non. Merci mon petit pendule. Il est vieux ce pendule, je l'ai eu en même temps que mon premier jeu de cartes. Mon pendule à ma maman. Et dans lequel on sait mettre quelque chose. Si on fait des recherches. Ben voilà les amis. Si vous aimez ça, que de temps en temps je passe le pendule, pourquoi pas. Avec une réponse comme ceci. Mais sinon, je pourrais peut-être faire avec. Je verrai. Faire un autre. Des autres réponses. Voilà. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve lundi. Bisous, bisous.